Hello, good afternoon, and welcome to today's event. Bonjour. Bonjour et bienvenue à l'événement de cet après-midi. Je suis la présidente de l'inclusion à l'École publique du Service Canada. Je voudrais vous faire reconnaître que je vous rejoins du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe. Il continue de nourrir ce pays. Je reconnais que nous travaillons tous à différents endroits et vous invite à prendre un temps pour reconnaître le territoire que vous occupez. Conformément à sa mission d'instaurer une culture d'apprentissage au sein de la fonction publique du Canada, l'École de la fonction publique a mis en place l'initiative des chercheurs invités, Jocelyne Bourgon, afin de reconnaître les connaissances et l'expertise universitaire, d'encourager de nouvelles idées et d'offrir une perspective externe sur les questions prioritaires du gouvernement du Canada. Le nom de cette initiative rend hommage à l'immense contribution de l'honorable Madame Jocelyne Bourgon, présidente émérite de l'École de la fonction publique du Canada et ancienne greffière du Conseil privé, et permet de reconnaître son travail extraordinaire dans le secteur public canadien et à l'échelle internationale. By inviting visiting scholars, the Canada School of Public Service is able to deliver quality cutting-edge learning des scolaires émérites. Avec cela, j'aimerais inviter Madame Jocelyne Bourgon à nous donner quelques remarques. Cette initiative et d'avoir l'opportunité de vous dire quelques mots. I would start by saying that ideas matter. Je voudrais commencer par dire que les idées comptent parce qu'elles influencent la façon dont nous voyons les problèmes, les solutions qui vont être trouvées et les solutions que nous avons. Et périodiquement, les idées viennent de l'avant et remplace d'autres idées parce qu'elles s'alignent mieux avec nos circonstances. Nous vivons dans un temps tel. Nos dirigeants sont en train d'explorer des idées qui doivent aller avec les défis du 21e siècle. Les menaces existentielles du changement climatique et d'autres risques comme la guerre en Europe. Il y a plus au domaine administratif que le seul travail avec les administrations. Les administrations transforment les idées à propos de la vie en société en réalité que nous explorons ensemble. Donc, la question est, quelles sont les idées? Quelles idées jeunes ou plus âgés pourraient nous aider à gérer la complexité du monde dans lequel nous travaillons. L'initiative de professeurs invités de l'École du service public du Canada va nous permettre d'avancer. It's an invitation technique qui transforme le monde dans lequel nous vivons, à explorer avec les leaders de la fonction publique dans des domaines variés les idées qui pourraient permettre à la fonction publique du Canada de faire face aux grands défis de l'heure à l'orée du 21e siècle. This will require powerful conversation about the kind of society. Nous demander des conversations puissantes, mais qui sont non seulement nécessaires pour construire, mais aussi pour avancer. Our expectations are for the leaders. Cette conversation va déterminer le ton de la conversation que nous aurons pour l'avenir du Canada. I'm profoundly... L'École de fonction publique du Canada a annoncé cette initiative. Je le remercie sincèrement de l'opportunité d'y être. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Bourgon, pour vos remarques. It is now my great honor to introduce to you Dr. Rachel Zellers, the Canada School. C'est un grand honneur de vous présenter Madame Jocelyne Bourgon, l'honorable Jocelyne Bourgon, qui est une avocate assistante à l'Université Sainte-Marie dans le département des
Dr. Zellers a eu... L'interprète s'excuse, la personne qui parle parle très, très vite. Elle est vastement reconnue pour sa capacité à adapter le contexte historique local et pour adresser les barrières et les obstacles au changement avec beaucoup de vision. L'appel à l'action sur l'antiracisme, l'équité et l'inclusion, qui est sorti en 2021, a dirigé les gens à prendre une action pratique pour un changement systématique. Les événements en 2020 ont précipité le besoin des changements du traitement des personnes noires et indigènes dans nos sociétés et nous a montré l'urgence pour nos institutions et pour notre culture. During our mandate, l'engagement envers l'appel à l'action, en encourageant l'apprentissage continu, en invitant les leaders à entreprendre des conversations courageuses et en donnant aux fonctionnaires les moyens de prendre des mesures délibérées pour susciter le changement. Ce faisant, elle a créé un véritable élan au sein de la fonction publique en soulevant des questions clés et en nous invitant, en nous engageant à des sujets importants et difficiles. L'un des sujets que Rachel a exploré au cours de son mandat est celui du mérite et le racisme anti-noir. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le mérite est réputé comme étant la pierre angulaire de la fonction publique fédérale. La fonction publique est réputée pour embaucher sur la base de processus de sélection rigoureux qui exigent la transparence à tous les niveaux. L'appel à l'action demande aux dirigeants de recruter des employés provenant de collectivités autochtones et de collectivités de race noire ou d'autres groupes racisés. Cependant, cela a donné lieu à des discussions et à des questionnements sur le mérite de ces groupes. Rachel has conducted research into the merit principle in the public service, including who has benefited from policies in history and why marginalized groups. Sur ce domaine et pourquoi les groupes sont continuellement discriminés sur la base du mérite. À la lumière de cette visite, Rachel continue d'aborder les sujets sur le mérite et espère inspirer le changement à travers la fonction publique en espérant que les postes occupés permettent d'illustrer la diversité du Canada. Nous allons maintenant introduire Dr. Zellers. In the spring of 2022, a black woman named Kentaji. En 2022, une femme noire nommée Kentaji Brown Jackson a été nommée à la Cour suprême des États-Unis, le plus haut et le plus puissant des pouvoirs judiciaires aux États-Unis. Sa nomination a été historique parce qu'elle était la première femme noire nommée à la présidence de l'Union européenne dans l'histoire de la Cour depuis 230. Mais sa nomination était également historique pour un certain nombre d'autres raisons importantes. Elle est extrêmement qualifiée pour ce poste de la Cour suprême avec deux diplômes de Harvard et une expérience judiciaire époustouflante. Elle est aussi notamment la première candidate de l'histoire à avoir exercé la fonction de défenseur public. En bref, personne actuellement à la Cour suprême ne peut atteindre ses qualifications et son expérience. En contraste, le dernier juge nommé, Amy Coney Barrett, une femme blanche, n'avait que brièvement exercé la fonction de juge avant sa nomination. Elle n'avait jamais travaillé au gouvernement en tant que procureur, avocat de la défense ou avocat général et procureur général, et en fait, n'avait jamais servi de conseiller à aucun organe législatif. Son dossier judiciaire avant d'avoir été nommé par Donald Trump en 2020 est mieux décrit comme étant tout à fait non exceptionnel pour un juge. Comme l'ont noté de nombreux auteurs politiques à ce moment-là, elle était la personne la moins expérimentée nommée à la Cour suprême en 30 ans. Cependant, pendant
pendant la nomination de Madame Jackson, nous avons remarqué la malhonnêteté démagogique de manière douloureuse pendant 2 jours. La première femme noire nommée était accusée d'aider des pédophiles, alors que ses enfants et son mari étaient silencieusement assis. Il a été décidé que Kentucky n'avait pas assez de mérite. Mais pourquoi la barre a-t-elle été placée si impossiblement haut pour une femme noire ayant plus d'expérience que n'importe quel autre membre de la Cour suprême des États-Unis? La réponse est plutôt facile. L'audition de nomination de la première femme noire à la plus haute cour des États-Unis nous rappelle que le mérite n'est pas une procédure figée dans le marbre ou une étape par étape, mais plutôt une idée, un principe directeur et un mérite qui, j'insiste, est mieux compris, le plus clairement et concrètement compris par son caractère très inégal et discriminatoire. Comme les études de l'histoire du mérite dans le service public l'illustrent, oui, le mérite est toujours une orientation orientée par les qualifications ou l'excellence ou les compétences. Alors que la Commission de la fonction publique l'a constaté, au 20e siècle, le mérite est devenu un raccourci pour les concours. Mais le mérite est en réalité à la fois un garde-fou institutionnel et un algorithme administré par ceux qui sont en poste, un pouvoir reflétant les normes sociales et les modalités dominantes de la discrimination dans les pays de l'Union, dans le pays de notre société. Le mérite est historiquement malléable et instable. Ainsi, la barre du mérite sera relevée pour ceux qui sont confrontés aux plus grandes difficultés dans la société, comme ce fut le cas pour juge Kentucky Brown Jackson, parce que le mérite n'est pas une catégorie concrète, comme beaucoup le prétendent à tort. Le mérite est plutôt façonné bien à l'intérieur du cercle de notre système racial injuste et de notre société discriminatoire au sein de nos institutions microcosmiques plutôt qu'en dehors de celui-ci. Et le mérite est façonné par tous les préjugés intentionnels et involontaires qui vivent en chacun de nous. Le mérite s'est également avéré être un puissant outil de communication distrayant les institutions confrontées à des demandes d'équité raciale. Beaucoup ont entendu des collègues exprimer leurs inquiétudes quant à la qualité du mérite dans le domaine des conversations sur les initiatives expansives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion dans la fonction publique fédérale lorsqu'il a été communiqué. Dans ce contexte, on laisse entendre que les recrutements ciblés ou autres initiatives intentionnelles visant à accroître le nombre de dirigeants et de fonctionnaires noirs, par exemple, n'auront non seulement un impact négatif sur le mérite, mais va aussi désavantager les fonctionnaires blancs et diminuer la qualité du service public dans son ensemble. Ici, le terme mérite est synonyme d'avantage injuste perçu par les employés et candidats noirs. En réponse à l'appel à l'action, il y a eu des suggestions de plus grande représentation raciale et de prise en compte de l'histoire de la discrimination raciale qui va en quelque sorte diminuer ou amoindrir la solidité du mérite et du service public. Pour être clair, cette tactique n'est pas nouvelle. C'est une tactique plutôt couramment utilisée pour faire taire les plaintes de préjudice ou d'abus ou simplement les affirmations de droits fondamentaux pour ceux qui ont été les plus marginalisés dans la fonction publique. Au cours du siècle dernier, le principe du mérite a été asservi d'idéal profondément imparfait. Parfois utilisé de manière expansive et même discriminatoire, c'est aussi toujours un reflet de notre époque. Mais je suis un chercheur et je m'intéresse à la façon unique dont le mérite a été utilisé au cours du siècle dernier pour exclure les Canadiens noirs de la société, du service public.
au moment même où leur inclusion aurait dû être une considération facile à la lumière de tous les aménagements historiques faits pour d'autres groupes canadiens. Nous ne parlons pas beaucoup de la façon dont le service public est apparu ou a été modifié au cours du siècle dernier. Comment, en tant que quelqu'un qui a été une visiteuse gracieuse du service public, une chercheuse et une professeure invitée à l'école publique, l'école de la fonction publique du Canada, je me suis souvent demandé comment la compétition est devenue la façon dont la plupart des fonctionnaires sont embauchés et aussi comment le mérite est devenu la norme qui régit l'évaluation pour l'embauche et la promotion. Ces questions semblent importantes quand le plus grand employeur de la nation subit des changements à l'échelle du système destinés à faire progresser ceux qui n'ont pas occupé les postes de direction auparavant. Ces changements qui sont des appels au changement de manière à ce qu'on fasse mieux en veillant à ce que le gouvernement tire pleinement parti de l'ensemble de notre réserve de talents au service des Canadiens. La fonction publique en tant que profession date d'avant 1908 et a parcouru un long chemin depuis la première loi sur le service public le service civil de 1868. Par exemple, au 19e siècle, les ministres ont fait ce qu'ils voulaient, bien que la compétition soit un principe directeur, comme le note un universitaire. Le service public a fourni un examen si rudimentaire que seuls les analphabètes complets ont échoué. Les lois sur le service public de 1882 et 1908 avaient l'objectif de faire beaucoup mieux. Ces deux actes modifiés ont entrepris d'affronter un autre énorme défi fondamental du service public, qui est le problème du favoritisme. Par définition, le mécénat est un échange de faveurs politiques, une forme de népotisme politique, si vous le voulez. Mais c'était avant tout le premier système de quotas préférentiels dans la fonction publique que les hommes canadiens blancs dominent, principalement les anglophones, directement et en bénéficient presque exclusivement depuis 1882 avec la Commission royale. Deux composantes du système public sont apparues. Tout d'abord, le système compétitif et ensuite le mérite. La notion de mérite était basée sur une croyance libérale qu'un homme, littéralement un homme blanc, doit avoir la capacité de réussir ou d'échouer en fonction de ses propres efforts et capacités. Le mérite était également une tentative de protéger le service public des accusations de partisanerie politique. Le libéralisme du 19e siècle dépendait des corps d'hommes blancs qui pouvaient travailler, consommer, gouverner et gouverner les autres. Ces corps libéraux et idéaux étaient les mêmes qui sont supposés constituer la société civile canadienne. Les auteurs de la commission ont archivé leurs pensées et leurs intentions en 1881 et étaient très préoccupés par les effets de la discrimination et du traitement préférentiel sur l'estime de soi et les performances des hommes blancs entrant dans la fonction publique. Des hommes qui n'avaient pas la possibilité de concourir et de gagner des promotions basées seulement sur leur travail acharné et leur capacité se découragent. Ils perdent leur respect de soi et l'espoir pour l'avenir. Et ont-ils écrit, c'est une telle injustice qu'ils ont détruit tout désir d'exceller. Malgré cette prise de conscience, le système de favoritisme a continué et en 1907, une autre commission royale a été formée, dirigée par John Courtney, sous-ministre des Finances et le gouvernement Laurier. Pendant ce temps, la commission Laurier under continual appraisement, as the commissioners wrote in 1907. Et ce qu'on pouvait, on devrait pouvoir être promu à n'importe quel poste du public service. Encore une fois, les auteurs de la commission ont souligné la création d'un service qui ne décourageait ni ne dissuadait psychologiquement les jeunes hommes très efficaces de gravir rapidement les échelons du service public pour sauvegarder les valeurs et prévenir d'une meilleure façon le népotisme politique.
Le 1er septembre 1908, la commission, alors appelée Commission du service civil, est née en 1908. Le mérite, comme l'écrit un universitaire, était un raccourci pour une nouvelle méthode de dotation en personnel du service public, mais le principe n'a jamais été facilement défini. La série suivante d'amendements à la loi sur les services publics a été adoptée et s'est attaquée directement au problème persistant du népotisme politique. La loi a tenté d'établir un système de mérite universel faisant de tout recrutement la responsabilité d'une commission de la fonction publique véritablement indépendante. Cependant, cet acte modifié ne définit toujours pas explicitement le mérite ou le principe du mérite. Les catégories de ceux qui sont jugés méritants et non méritants, qui appartiennent ou n'appartiennent pas, ne sont jamais faciles à établir parce qu'elles sont liées à l'histoire d'une nation et à tous ces silences. Comme le dirait l'historienne Michelle Trio, ils sont essentiels au statu quo. L'application du mérite que j'ai appris est un prisme clarificateur de tout ce qui ne va pas avec nous, les humains, et nos tendances à voir et à traiter certaines personnes de manière plus ou moins importante, certaines plus importantes, plus capables et plus intégrées que d'autres Au début du 20e siècle, les femmes, les Noirs et les Autochtones canadiens et, dans une moindre mesure, les Français canadiens n'étaient pas les bienvenus au sein du service public. Mais il serait erroné d'assimiler ces groupes à de simples marginaux au service public. Les femmes blanches et les Canadiens français avaient évidemment une présence précoce, mais réduite dans le gouvernement au début du 20e siècle. Comme Kathleen Archibald, dans son étude d'influence incluée Sex and the Public Service, entre 1901 et 1967, le pourcentage de femmes dans la fonction publique est passé de 2 à 3 à 27 de l'ensemble des fonctionnaires. Les Noirs et les Autochtones ont été tout simplement exclus. Les Noirs et les Autochtones font partie de la violence fondatrice de cette colonisation. Et cette violence radicale contre les travailleurs noirs était un sujet inintéressant, malgré toutes les façons dont le mérite a été changé et accommodé pour faire place à de divers groupes de Canadiens au cours du siècle dernier. Les questions les plus difficiles concernant le mérite étaient comment et pourquoi ces catégories se sont déplacées avec le temps. Si le mérite est, comme j'ai insisté au début, non fixé, malléable et instable, quel rôle joue-t-il dans la formation des institutions? Et avec l'appel à l'action pour confronter le racisme anti-noir, qu'est-ce que les études par rapport au racisme pourraient révéler sur l'insolubilité particulière de notre histoire. Et spécifiquement, le traitement du mérite en relation avec les anciens combattants canadiens, les femmes et les Français, québécois, illustre la volonté d'exclure les Canadiens noirs de la participation au service public. Après la Première Guerre mondiale, un accès préférentiel a été accordé aux anciens combattants aux emplois dans la fonction publique fédérale et au fil du temps, 55 000 anciens combattants ont bénéficié de cette mesure pour les aider à réintégrer la société. Mais comme l'ont monté les chercheurs, cela signifiait que les femmes étaient discriminées et que les anciens combattants bénéficiaient de privilèges spéciaux qui, eux aussi, ont fait l'objet d'une discrimination. Pour les classer avant les non-vétérans plus méritants sur les listes d'admissibilité. La justification de ce traitement préférentiel était vraiment importante car on exigeait des citoyens beaucoup plus. Plus de demandes ont été faites à l'État par ces citoyens et l'accès aux services publics ou la garantie d'un emploi sont devenus cette offre pendant la guerre. Pendant la guerre, l'État a demandé et finalement légiféré que les citoyens meurent pour son service, a expliqué un spécialiste.
En conséquence, trois catégories privilégiées d'individus ont été créées. Les vétérans pensionnés blessés pendant la guerre ont été prioritaires. Ensuite, les anciens combattants qui ont été en service actif et ensuite les veuves des soldats tués pendant la guerre. Les anciens combattants handicapés étaient les premiers à bénéficier d'une aide, ce qui inscrit un classement plus élevé sur la liste d'admissibilité à partir de laquelle les fonctionnaires étaient embauchés lorsqu'il y avait une ouverture. Non seulement le gouvernement a créé des préférences catégoriques qui contredisaient le mérite, mais aussi un système de classement qui permettait à un ancien combattant ayant obtenu une note de passage minimale à être prioritaire par rapport à un non-vétéran ayant obtenu de meilleurs résultats. Ce schéma préférentiel contredit à la fois et porte atteinte au principe du mérite en garantissant que les candidats les plus qualifiés par voie du concours ne seraient pas toujours choisis. Cette catégorie préférentielle élargit le champ d'application de la définition du mérite. Cependant, je veux pousser cette analyse un peu plus loin. La décision de prioriser les vétérans masculins qui ont été blessés à la guerre a créé une catégorie préférentielle qui a amplifié à la fois l'acceptation de la discrimination de manière générale dans la fonction publique, de même que le caractère cardinal de du mouvement anti-noir dans le système public. Voici ce que je veux dire. Les Canadiens noirs font partie de cette nation depuis le 19e siècle, créant des communautés et des institutions sacrées et des cultures distinctes d'un océan à l'autre. Les Canadiens noirs ont servi dans la Première et la Seconde Guerre mondiale par milliers. Et pourtant, ils ont été exclus des catégories de préférence pour les mêmes postes promis aux anciens combattants blancs. Pour citer un exemple bien connu, plus de 800 hommes noirs ont servi dans le bataillon de construction, dans le bataillon de guerre numéro 2. Et pendant la Première Guerre mondiale, les 700 autres ont rejoint d'autres unités et ont servi outre-mer. Ce dernier chiffre est important, compte tenu de l'extrême préjudice qui existait avec les responsables de l'enrôlement militaire pendant la Première Guerre mondiale, comme décrit l'historienne Melissa Shaw dans son ouvrage intitulé, lorsque des commandements locaux ont refusé ce privilège fondamental de la citoyenneté aux hommes noirs, les Canadiens noirs ont répondu directement en utilisant une variété de méthodes et de stratégies activistes politiques pour articuler leurs idées de demande d'inclusion complète dans les forces expéditionnaires canadiennes. Les Canadiens comme Oliver Johnson, né en 1892 à Oakville, en Ontario, a été appelé sous les drapeaux en 1918, est arrivé en Angleterre l'année suivante et a été affecté au 8e bataillon de réserve. Il a été libéré en août 1919 et a été incapable de trouver un emploi stable dans son pays d'origine. Comme l'a écrit la biographe, comme pour de nombreux vétérans après la Première Guerre mondiale, le travail était très difficile à trouver, surtout si on était un Canadien noir. Jeremiah Jones, qui a fait partie du 106e bataillon en 1916, qui a été blessé dans la bataille de Vimy en 1917, où 10 000 soldats sont morts, a été libéré de l'armée en 1918, et malgré son service et des blessures permanentes, il n'a pas été prioritaire pour un poste dans la fonction publique. L'historienne Cathy Grant estime la Première Guerre mondiale, mais cette dizaine de Canadiens Ces hommes fiers n'ont pas bénéficié d'un accès préférentiel aux emplois de la fonction publique fédérale, autant que les combattants blancs, qui étaient des les femmes noires étaient embauchées après que leur mari était tué au combat afin qu'ils puissent devenir des soutiens de famille pour leurs enfants. Se sentaient indigents dans une société qui n'a pas honoré ses promesses de manière égale. À une époque où, comme pour d'innombrables femmes noires au 20e siècle, après que la mère de Malcolm X a dû travailler à Montréal avant de migrer aux États-Unis. Les hommes noirs avaient servi
et aidé à gagner la guerre, mais ont perdu des batailles cruciales au niveau local. La guerre, a-t-elle ajouté, leur a permis de comprendre clairement que le Canada était un État particulier de racialiser. Le mérite a été élevé à un niveau impossible. Les hommes noirs ont servi le Canada et l'ont payé avec leur corps et leur vie. Pourtant, la barre du mérite a été élevée à un niveau impossiblement haut pour empêcher les hommes noirs et leurs familles de recevoir le matériel bénéfice, les avantages désignés par l'État pour les vétérans blancs. Il est très tentant de reléguer cette histoire à une époque révolue de l'intolérance raciale canadienne. Mais je souhaite nous encourager à penser à cette lignée de traumatisme en termes subjectifs et matériels. L'histoire est jonchée d'exemples de désavantages et de dénis disproportionnés de la part des Noirs en période de crise sociale, lorsque l'État a spécifiquement créé l'aide sociale, des avantages destinés à atténuer directement les souffrances et les pertes de ses citoyens. Le fonds de 30 millions de dollars de la commission de secours d'Halifax, créé à la suite de l'événement de 1917, est un exemple bien connu de la loi sur la sécurité sociale aux États-Unis. One generation. And so history reminds us that in these moments when Black people within a nation state are cast well beyond the circle of citizenry, racial discrimination is reified and strengthened at both the institutional même les deux institutions et l'aspect individuel. En cours, les gens noirs n'avaient pas été honorés au cours de l'histoire. Et pendant que ces exclusions matérielles augmentent les pertes d'économie et pauvreté et des survivants noirs dans les décennies suivantes à travers les générations. C'était aussi le cas de la préférence accordée aux anciens combattants et aux fonctions publiques, ce qui n'a pas été le cas. Le refus d'emploi coûte aux anciens combattants noirs vulnérables et leurs familles le terme financier. Comment se fait-il que on commence à mesurer correctement ses pertes au fil du temps et des générations à la lumière de mesures correctives? L'appel à l'action se propose d'entreprendre comment corriger de manière significative cette partie de l'histoire, ce qui est certain que le premier ministre Robert Borden savait à la fin de la guerre que ses compatriotes n'étaient toujours pas préparés. D'accorder l'égalité à un nombre important d'hommes noirs, mais ces documents d'archives de 1918 indiquent que, à quelque chose de plus insidieux, comme son intention de garder les Canadiens noirs, à quelque chose de plus insidieux. L'histoire de la diversité, de l'équité et de l'inclusion du service public souvent été communiquée comme une concurrence entre les sexes au cours des derniers siècles. Les hommes et les femmes, les anciens combattants handicapés, ont dépend des femmes et de celles qui avaient perdu leur mari au combat de la guerre, mais ces catégories polarisées ont créé un récit fragmentaire de la diversité et du service public, un qui a occulté le traitement qu'il a réservé aux Canadiens noirs. Ainsi, le cage d'oiseau de la discrimination fonctionné par notre histoire au fil des siècles. Il a également réintroduit encore et encore une nation unidimensionnelle de la vie des Noirs dans le service public qui a fait de l'humanité de l'homme noir handicapé une réalité. Ou un employé noir handicapé francophone ou au-delà de l'immigration, et pourtant, nous avons toujours été là, dans toute notre plénitude, et dès sa création, la commission de la fonction publique a ouvertement nié le mérite des femmes blanches.
ils ont reconnu que leur politique était fondée sur les préjugés sexuels. Les femmes blanches étaient confinées de manière disproportionnée aux postes les plus bas de la fonction publique, à l'époque principalement des postes bureaux. Cela était intentionnellement conçu pour rendre le service public plus attrayant à des candidats masculins et de permettre également aux commis masculins de montrer dans les hiérarchies, dans la concurrence, sans concurrence en fait, des candidats féminins tout aussi qualifiés et dans certains cas beaucoup plus qualifiés. Les actions ont été conçues pour la prévention, le statu quo et ne pas perturber les normes patriarcales existantes à l'extérieur de la fonction publique ainsi qu'à l'intérieur de celle-ci, comme le souligne un universitaire qui nous de la féminisation de la fonction publique à travers le bureau au plus bas échelon de la fonction publique a établi et refilé la place des femmes au sein du gouvernement et a également fait un mythe de l'idée que la carrière level positions also incentivize the recruitment of white men into the middle and senior ranks of public service from outside of public service. Again, public service reflected the stereotypes and discriminatory socio-sexual norms of its time, a time when women were encouraged never to travel alone and were thought to be too fragile to carry heavy boxes or files as part of their jobs. In its very first report to Parliament, the Civil Service Commission observed that women were much more eager to work in government in all of its divisions for the salaries. Au salaire que le gouvernement était prêt à payer, mais ils ont été exclus de la première et de la deuxième division supérieure et ont ressenti les effets négatifs du mépris de leur mérite par rapport à leurs compétences, leurs talents et leur sexe. Bien qu'ils aient été embauchés en grand nombre pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont resté confinés dans le secteur de la santé et au plus bas niveau des services et étaient injustement censés quitter leur poste en faveur de leur emploi. Les vétérans, tout cela en dépit du fait que le gouvernement lui-même rapporte qu'il y avait des femmes qui ont aussi des bonnes capacités de gestion et dont, comme et qui pourraient, pour les simples raisons de qualification personnelle, d'occuper des postes plus élevés que la fonction publique. Ces femmes, selon elles, étaient bien qualifiées pour les raisons suivantes. Capacité à être elles-mêmes s'occuper de postes de restriction pour les femmes en continu malgré moi. L'augmentation du nombre de personnes entrées dans la fonction publique pendant 1921, par exemple, les femmes n'avaient pas accès aux postes. Ces changements à l'échelle systématique ont commencé dans les années 1960, lorsque la loi d'emploi de la fonction publique en 1967 a ajouté le sexe au motif d'interdiction. En 1974, l'état civil et l'âge ont également été ajoutés au bureau de l'égalité dans les chances ont été créées. Pour les femmes, ont été ouverts à deux rapports de l'historique, une commission royale sur le statut des femmes et du document intitulé « Le sexe et le service public » ont eu un grand ralentissement. Ainsi, et ça a créé trois actes d'affirmation. Women's volunteer experiences were rated in the same manner as other relevant experience. And thirdly, it developed new small courses for women while removing any male-only restrictions from career areas. It is striking that these policies developed over time and particularly through the 1960s. Jusqu'à maintenant, 1960, n'ont pas centré les femmes noires et les racisées à manière significative. Dans les années 1960, le pays comptait plus que 30 000 Canadiens noirs.
En 1955, entre 1950 et 1965, les ministères fédéraux et provinciaux ont recruté des femmes noires des Antilles dans les emplois de col bleu et dans moindre mesure dans un emploi d'ouvrier. Étant des postes sous semi-professionnels dans les endroits comme Montréal, en 1965, le Québec comptait 2000 francophones et des écrivains qui étaient émigrés d'Haïti au moment où les femmes blanches entrait sur le marché du travail dans le pays. En plus, grand nombre, entre 1930 et 1960, pour entreprendre la professionnalisation du travail sexué des employés de bureau et des secrétaires à l'entraîner une pénurie à travers la domestique. Dans le pays, à partir de 1955, dans tous les pays, dont à la Le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration a mis en œuvre le programme domestique des Indiens de l'Ouest et recruté 3 000 femmes noires principales en classe moyenne et éduquées pour travailler dans les maisons riches canadiennes blancs avec l'attrait de la citoyenneté. L'éligibilité après 5 ans, comme l'ont fait les nombreux spécialistes de cette histoire, les femmes noires documentées étaient banalement payées bien moins que le salaire minimum, ont travaillé pendant des heures indécentes et ont été victimes de violences raciales et sexuelles étant que nombre de l'Union européenne. Comme l'a noté l'Université Robin Maynard, dans les une ère multiculturelle où la race pouvait plus être ouvertement utilisée pour refuser le droit de travailler aux travailleurs non blancs, statut d'immigré a servi le même objectif où étaient les mesures positives comparables des initiatives d'action pour les milliers de femmes noires canadiennes francophones, haïtiennes et indiennes de l'Ouest que le Canada avait recrutées dans des postes temporaires où se trouvent les incitations à l'équivalence pour les services domestiques des femmes noires comme cela avait été fait de la manière similaire auparavant. Pour permettre aux femmes blanches d'entrer sans problème dans la fonction publique, étaient très instruites et expérimentées. Où Parmi les dizaines de consultants qui ont fourni des informations qualitatives et quantitatives à la Commission royale, le statut des femmes et avec près de 500 consultations, les auteurs n'ont inclus aucune information ou sur les femmes noires et n'ont consulté certaines organisations communautaires noires. En 1990, bien que les consultations ont été faites en Québec, aucun effort n'a été fait pour inclure la voix des femmes haïtiennes, dont beaucoup étaient des organisateurs et des leaders visibles dans leur communauté à l'étude citée de Kathleen Archibald. En quelques lignes, l'auteur utilise la tactique couramment employée par les féministes blanches de l'époque, la comparaison de la discrimination raciale vécue par les nègres afin de mettre en évidence et de valider la discrimination subie par les femmes blanches sur le marché du travail. La base du sexe dans la vie des femmes noires reste entièrement invisible dans le cadre de cette étude formative du service public dans le résumé de l'université. Les femmes étaient des anciens combats de la représenter deux groupes d'employés potentiels qui exposent la nature constituée de la mérite des femmes noires. Si le corps masculin blanc était la fonctionnaire idéale, il était aussi initialement imaginé comme anglophone sur les hommes blancs était considérés comme méritants. Dans les services publics, les niveaux d'emploi les plus élevés étaient historiquement réservés aux personnes ayant un niveau d'études supérieures et universitaires. L'accès à l'éducation qui était inaccessible au grand nombre québécois français au début de l'année. Au 20e siècle, un spécialiste note que cette approche contenait un classe
classe pas si subtile. Au Québec et aussi dans d'autres provinces, au 20e siècle, les examens supplémentaires de la fonction publique ont continué à refléter très largement la traduction anglo-américaine, ont même été traduits en français, ce qui rend difficile ceux qui grandissent dans le système français plus classique au Québec pour concurrer à la richesse du Canada. L'accès à une longue historique de domination à l'Église britannique catholique ont convergé pour créer l'énorme disparité éducative, sociale et de classe entre les Canadiens français anglophones. Les Canadiens avaient la révolution tranquille et ces mêmes tensions de discrimination comme celles de la race ont été intégrées dans l'infrastructure du service public du principe mérité. En bref, le préjugé de la classe des préjugés et les préjugés linguistiques étaient également les préjugés fondateurs au sein de l'opinion publique. Service en 1969. En fait, les auteurs de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme a permis de documenter le déclin précipité de la proportion de francophones de la totale de services publics après la création de la Commission de services publics civils des francophones qui ont écrit la représentation environ 22% de tous les employés fédéraux en 1918, au moins 13% en 1946. Avec le temps, ces représentations s'est atténuées également et observées dans les rangs supérieurs de la fonction publique de domaine de l'histoire relevé au défi. En 1966, le premier ministre Lester B. Pearson a déclaré que les valeurs linguistiques et culturelles des Canadiens anglophones, francophones seront ce sentiment s'est reflété dans le recrutement, la formation de la fonction publique de quelques années plus tard, également approuvé par le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau lorsqu'il a noté que les Canadiens dont la langue maternelle est le français devraient être représentés de manière adéquate dans la fonction publique en termes de nombre et d'efficacité et dans le niveau de responsabilité. Le 1er février 1966, la fonction publique de la Commission a annoncé que le bilinguisme serait un facteur mérite pour les nomination dans la région de la capitale nationale. La maîtrise de la deuxième langue ou la volonté de l'acquérir dans le laps de temps donné grâce à la langue. La formation des frais de l'État. Trois ans plus tard, en 1969, la loi fédérale sur la langue officielle fait le français et de l'anglais la langue officielle du Canada. Pourtant, il est clair que les francophones, que ces premiers ministères et les autres de la commission de royale avaient à l'esprit était blanc, malgré une population française facilement diverse au Canada dans les années 1960. Il y avait bien sûr la population francophone diversifiée qui a fait partie de l'intégration intégrante de la vie sociale et économique du Québec. L'arrivée des Haïtiens élites, les techniciens, infirmiers, les professions et les écrivains sont produits de l'époque où la province était. En 1967, Montréal était établi seul en 131 médecins haïtiens, 10 fois plus le nombre de psychiatres haïtiens et à Port-au-Prince, et il y avait plus d'infirmières haïtiennes au Canada que les capitales haïtiennes, comme l'a noté l'historien Sean Mills. La première vague de la migrante haïtienne hautement éduquée et possédant la compétence technique et professionnelle qui était très en demande, c'est relativement bien intégré dans une société québécoise pleine mutation. Dans les années 1960, le secteur public et parapublic du Québec connaissent une croissance rapide. Ils avaient besoin de personnel qualifié dans les institutions où ont donc accueilli l'arrivée de personnes hautement qualifiées d'éducation. En 1965, le peuple haïtien a mené la seule insurrection réussie contre les Blancs, esclavagistes en partie en 1791, comme l'explique un écrivain haïtien vivant à Montréal. Si clairement que nous croyons que
l'autodétermination des peuples, nous ne pouvons qu'être sympathiques à la cause nationaliste au Québec. Pourtant, l'histoire relève par une telle réciprocité dans le contexte des luttes canadiennes-françaises. Comment comprendre ensemble la complexité de la discrimination rencontrée par les Canadiens français au sein de la nation de la fonction publique? La relation complexe entre les Québécois français et les Haïtiens et l'exclusion des Haïtiens du service public, tout cela au moment même où le plaidoyer pour leur participation aurait semblé intégral. Voici un angle d'attaque. Les Québécois français, comme le soutient l'historien Sean Mills, ont toujours maintenu ce qu'ils nomment comme une position liminale au sein de la nation. D'une part, il écrit, ils pourraient être racialisés et marginalisés par les intérêts plus puissants, à savoir le Canada anglophone et la Grande-Bretagne. Mais d'un autre côté, ils possèdent néanmoins le pouvoir, le privilège de blancheur et la paternalisme qui en découle à l'égard du peuple noir, tout en étant étranger comme montre une longue historique missionnaire du Québec à Haïti. Preuve que lorsque la Révolution tranquille a commencé, il s'est produit un contexte de mondialisation. Des mouvements anticoloniaux fondés sur les efforts communs de déplacer une structure du pouvoir que les Québécois ont adapté comme le propre moulin augmente les Français. Les Canadiens étaient eux-mêmes les descendants de colonisateurs blancs et malgré l'instance pendant le calme, la calme révolution sur être les nègres longs, qui ils étaient tous les deux par la couleur et par les blancs, lorsque la Commission royale du bilingue et le biculturalisme a soumis le rapport final sur les recommandations du gouvernement canadien, les francophones ou canadiens français, et une autre importante qui n'avait pas considéré que pour la participation des Haïtiens francophones à la fonction publique fédérale. Beaucoup ont demandé pourquoi l'accent mis sur la noirceur en ce moment. Je crois que la réponse à cette question réside dans l'histoire de notre nation, bien sûr, mais aussi l'histoire du public. Si ce n'est littéralement quelques lignes. Dans l'histoire documentée du service public, les Noirs n'apparaissent nulle part. Mais nous sommes ici, partout dans cette nation, comme nous l'avons été pendant les siècles. Une des choses que j'ai appris en certaines des fonctions aux dernières années, c'est comment which royal commissions, which books and institutional histories, regulations and commission studies to gather and read from these ongoing conversations. Importantly, de manière importante, public servants hold an understanding, a well articulated and observed, savoir bien articuler, observer ce qui a été terriblement exploité. Par des carrières bloquées pendant des décennies par des collègues qui résistent et démissionnent, et par des amis qui entrent dans les services publics et le quittent rapidement pour le secteur privé. Et donc, alors, cette récit partagé de résidence et d'exclusion ne dispose pas une commission royale pour la quantifier les continents. Et contenir, j'ai appris à écouter les attentivement plus que je ne parle. Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les Canadiens noirs, mais ils n'étaient pas priorisés pour accès favorisé ou des services. Ces préférences étaient pour les vétérans blancs. Mais les femmes noires canadiennes
to meaningfully integrate the nation's women into public service for the first time in history. And aren't we women too? Et nous ne sommes pas aussi des femmes. En tant que femme noire et féministe, en 1970-80, pour les écrits du militantisme, le défi du changement institutionnel repose aux présentations que toutes les femmes sont blanches et que tous les hommes sont noirs. Et ceux, les femmes noires, n'ont pas profité de l'initiative d'action affirmative. Pendant la Révolution tranquille, les anglophones, un groupe racisé et diversifié, mais la Commission sur le bilinguisme et le multiculturalisme pour développer la Confédération canadienne. Francophones remained beyond the national imaginary and outside of public service. As a dear mentor, en tant que mentor qui étudie la migration noire au 19e siècle, pour moi, nous pouvons comprendre ce que les gens croyaient et appréciaient en prêtant une attention particulière à ce qu'ils ont fait, à la façon dont ils se sont comportés à suivre les corps de violence fondateurs de Rachel Canada se situent dans les histoires de l'esclavage et du colonialisme. Deux systèmes de domination qui ont, de manière unique, formé l'expérience des Noirs et des communautés autochtones. De la violence perdurée au sein de toutes les institutions de la nation. Le service public n'est pas une aberration ou une exception. Il existe de nombreux moments dans l'histoire de la fonction publique de notre nation, alors que les Canadiens noirs auraient dû être inclus. Nous sommes queer et handicapés, et de la classe ouvrière. Récemment, les stratégies de données démographiques et des législations ont été créées pour faire face à l'exclusion des personnes handicapées et LGBTQ de plus du service public. Tout ce travail est nécessaire et très urgent. Et pendant que ce travail avance, nous devons délibérément comprendre comment le racisme façonne également d'autres domaines du travail, d'équité et d'inclusion pour être explicite dans ce moment crucial que nous devons être très prudents. De ne pas reproduire le passé avec la présomption, le biaisé que ces personnes handicapées ou tous les gens du LGBTQ+. Voilà ce que je sais. En tant que femme noire, cis queer, neurodiversité, d'une famille rurale et classe ouvrière, une seule identité, ces identités auraient vraiment exclu de mon service public au cours des dernières années. Je le sais parce que j'ai suivi le conseil de mon mentor qui fait très attention à ce qui a été fait, comment le service public s'est comporté depuis qu'il existe. J'ai en effet suivi le corps. C'est donc la réponse au pourquoi le noirceur a besoin de son propre centre d'intérêt, de propre attention, de ses propres études et de ses propres jambes à ce que ce moment précis de l'histoire. L'histoire du service public suivit le corps de ces milliers de façons. Je crois que c'est là de faire ce qu'elle a. Et c'est d'encourager et de soutenir les voix qui ont été longuement marginalisées dans notre organisation pour créer des opportunités où elles sont longtemps été absentes. Nous devons prendre des mesures pratiques et directes pour provoquer le changement. C'est la véritable test de la qualité de vie et nous devons y atteler dès maintenant.
Hello and welcome everyone. Bienvenue. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Welcome to everybody. Fonction publique du Canada et je serai votre animateur pour notre discussion aujourd'hui, suivant cette riche présentation du Dr. Zellars. Before we begin, though, it's very important to me personally, just to take C'est très important pour moi personnellement de prendre un moment pour reconnaître que je participe à cet événement depuis le territoire non cédé du peuple Anishinaabe. Je vous encourage à prendre un moment de pause pour reconnaître les territoires que vous occupez. Nous apprécions le fait que vous soyez tous avec nous aujourd'hui, alors que pour la lecture, je suis vraiment impatiente d'avoir cette conversation et j'ai vraiment l'opportunité de partager le panel aujourd'hui avec nos trois présentateurs. Donc, nous allons accueillir Rachel Zellars, Paula Falk-Dallaire et Gavin Cadot. Dr. Zellars is a Department de la justice sociale et des études communautaires de l'Université St. Mary's. Paula Falk-Dallaire est la directrice générale dans le secteur Washington, services publics et approvisionnement Canada, à l'ambassade du Canada aux États-Unis. Et puis Gavin Cadot est la vice-présidente du secteur des politiques et de la communication au commissaire de la fonction publique. Bienvenue. Je vais peut-être lancer notre discussion aujourd'hui avec une question pour Dr. Zellars. Dr. Zellars, I remember one of our first conversations when you... conversation lorsque tu as joint l'école et que vous avez parlé de la recherche que vous vouliez commencer en tant que avec votre rôle en tant que professeur méritant. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de pourquoi vous avez choisi ce sujet pour vous et en quoi ce nous sera utile maintenant et pour le futur? Oui, bien sûr, absolument. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai ouvert le New York Times comme je fais la plupart des matins quand je prends mon café et j'ai vu cette histoire magnifique sur l'histoire d'Haïti et la Révolution, mais aussi le coût que la nation a été obligée de payer pour se libérer. Et ça arrive vraiment à temps. Et je pense que c'est vraiment un bon moment d'évoquer le nom de l'historien haïtien qui m'a appris ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Il m'a appris que l'histoire est le fruit de la puissance et que la marque ultime d'histoire repose dans son invisibilité. Donc, lorsque j'ai commencé mes 10 ans, mes 10 dernières années de recherche, une des choses qui m'a surpris est la série de questions familières reliées que j'ai commencé à entendre partout où je me tournais. Lorsque les sujets de l'appel à l'action étaient levés, donc tout le monde se souciait de questions comme appel à l'action cible. Et un des dirigeants a posé cette question dans une rencontre avec moi. Et les gens qui ne seront pas promus si on promeut les personnes noires, autochtones et personnes racialisées? Bien sûr, les gens auxquels faisait référence avec autant d'intérêt et de soucis, à ce que j'ai compris, étaient les personnes blanches. Et j'étais très curieuse parce que le timing de cette question coïncidait avec l'appel à l'action et les étapes que nous prenions pour essayer de rendre l'espace du service public un meilleur espace pour les personnes noires. Ces questions ont deux choses en commun. Premièrement, elles sont toutes liées à la question du mérite, le principe du mérite dans le service public. Mais en tant que quelqu'un qui a passé littéralement toute ma vie à étudier le pouvoir dans la conduite noire, je reconnais un deuxième thème familier, la peur que quelque chose soit maintenant retiré ou diminué. Et ceux qui ont maintenu le pouvoir en position pour aussi longtemps sont maintenant menacés d'en perdre un peu. Et la peur est vraiment familière pour moi parce que pendant le dernier siècle, partout où
les minorités sociales ont eu du mal à obtenir plus d'équité, la peur blanche et la résistance ont suivi. C'est quelque chose qui existe historiquement. Et à travers l'histoire du service public, des commissions, nous essayons de voir quel fruit du pouvoir je pouvais trouver à l'intérieur de cela, dans l'histoire invisible sur laquelle personne n'avait écrit au début. Et c'est l'histoire du principe du mérite en relation avec les personnes noires du Canada. J'ai noté trois choses importantes alors que je lisais. Premièrement, j'ai appris que le principe du mérite est vraiment un principe, c'est un concept avec des idées guides qui déterminent qui appartient le mieux au service public. Ça n'a jamais été fixé dans la pierre. En fait, pendant le siècle dernier, ça a été très malléable, très instable et utilisé d'une façon discriminatoire même et étendu aussi largement que possible dans son sens pour faire créer de l'espace pour ceux que le service public a exclus dans le passé. J'ai appris que le service public a une longue tradition d'utilisation de recrutement préférentiel pour redresser sa propre histoire de discrimination. Donc, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai appris que le service public était toujours engagé envers la norme des corps blancs. Premièrement, des hommes noirs, mais ensuite, à partir des années 1960, les femmes blanches aussi. Et ensuite, troisièmement, j'ai appris comment le service public a travaillé au cours du dernier siècle pour garder clairement et intentionnellement le service public blanc. Donc, avec ma recherche, j'ai appris que la marque de pouvoir ultime repose dans cette histoire cachée. Cette histoire compte profondément et je vais expliquer pourquoi. Elle compte parce que, non pas parce que le mérite est une belle chose ou parce que c'est quelque chose de significatif ou en tant que valeur chérie, mais ceci compte parce que où se retrouve la plus grande puissance dans l'histoire? Dans les histoires qui ne sont pas dites, les histoires qui ont été exclues et passées sous silence pendant... Et ce sont les histoires de milliers et centaines de milliers de gens qui ont été ignorés par le plus grand employeur du pays. Depuis que cela a commencé, ces histoires et ces exclusions ont révélé une version de l'histoire du service public que peu de Canadiens ou même très peu ont entendu avant. C'est également une histoire qui est beaucoup plus vraie que toutes les versions qui existent en ce moment. C'est aussi une histoire que je crois profondément qui doit être révélée et dite et partagée à l'intérieur du service public de manière à accomplir ce que l'appel à l'action essaie d'accomplir. Donc, pour revenir là où nous avons commencé avec votre question, je veux que les gens comprennent la structure de la blancheur dans le service est vraiment enracinée dans l'histoire et l'étude du mérite élimine magnifiquement cette structure. Je veux aussi que les gens voient qu'est-ce que la structure du mérite donne en pratique dans le service public. Et je voudrais qu'ils comprennent que le recrutement préférentiel a toujours été utilisé pour adresser une longue histoire de discrimination. Parce que c'est ce que l'équité demande, c'est ce que l'équité provoque, c'est ce genre d'expérimentation qui sont vraiment également ce que le service public doit faire pour devenir plus équitable pour les personnes noires, racialisées et des Canadiens autochtones. Merci beaucoup, Dr. Zellers. Thank you very much, Dr. Gavin et Paula à partager leurs réflexions préliminaires, soit sur ce que nous avons entendu dans la conférence de Dr. Zellers, ou bien sur la base de vos propres observations et expériences dans la fonction publique. And Gavin, perhaps I'll start with you. Oui, merci. J'aimerais reconnaître que je m'adresse à vous depuis le territoire traditionnel, non seulement des peuples algonquins et anishinabés.
Et tout d'abord, wow, Dr. Zellers, Rachel, votre recherche sur ce sujet est si importante, si impressionnante. En écoutant quelques points, m'ont vraiment frappé. Tout d'abord, il me semble que l'argument qui est souvent soulevé est qu'une fonction publique représentative peut être réalisée simplement en ouvrant l'accès et en s'appuyant sur un système fondé sur le mérite, et que si les gens sont méritoires et que le système leur permet de postuler, tout en espérant que ça éliminerait toute seule la sous-représentation. Toutefois, si on regarde l'histoire, ça démontre clairement que ce point de vue est clairement faux. Et nous avons besoin de mesures positives pour uniformiser les règles de jeu pour les Canadiens noirs. La vérification portant sur la représentation des groupes visés par l'équité en matière d'emploi lors du recrutement à la fonction publique par le CFP souligne ça aussi. Cette vérification a montré que les groupes visés par l'équité en matière d'emploi ne demeurent pas représentés proportionnellement au cours du processus de recrutement. Et de plus, le taux de représentation des candidats noirs a diminué davantage que celui des autres groupes de minorités visibles. Un autre point que vous avez soulevé dans vos remarques aussi, Rachel, qui m'a frappé aussi, c'est que même quand la fonction publique est d'abord tournée vers la nécessité d'avoir une fonction publique représentative dans les années 60 et 70, et que les programmes ciblaient les Canadiens français, les francophones, les femmes, les autochtones, ce n'est qu'une décennie plus tard que la même orientation a été envisagée pour les Noirs et les autres groupes racialisés. And I guess another thing that really resonated for me was that, vous savez, pendant des dizaines d'années, le mérite, la façon dont c'était défini de manière implicite et explicite, comment c'était travaillé, a été déterminé par les gens qui avaient le pouvoir et le privilège. Et dans le livre appelé Defending the Ideal, qui créait des barrières pour plusieurs Canadiens. Donc, lorsqu'on retourne jusqu'en 1882 et la loi sur les services publics, la notion de mérite, les candidats méritoires devaient passer l'examen, c'était des hommes, ils n'avaient pas de handicap, ils étaient nommés par des membres de la communauté, et cela excluait les Canadiens noirs. Et si on avance jusqu'aux années 1960, ça reflétait le fait que les hommes ne voyaient pas l'expérience féminine comme étant égale, parce que c'est un environnement dont les femmes étaient souvent exclues. Et cela a pris du temps de donner aux gérants une vision similaire entre les hommes et les femmes sur l'expérience de travail. Et ça a demandé du changement. Et maintenant, il y a cet appel à l'action explicite sur l'antiracisme, l'équité et l'inclusion dans le service public qui appelle les leaders à prendre des actions nécessaires qui vont amener un changement systémique pour sponsoriser les personnes des groupes racialisés, pour supporter et recruter les personnes noires à travers tout le Canada. Et cet appel reconnaît vraiment que le sentier doit encore être aplati pour les personnes noires. Et j'ai réalisé vraiment très tôt dans ma carrière que le fait que je sois noire était vu comme une chose non professionnelle. Je devais me battre contre cette idée toute ma carrière. Et il y avait un manager que je respectais beaucoup qui m'a regardé un jour et qui m'a dit que j'avais l'air plus professionnelle après que j'ai changé mon style capillaire en ayant des cheveux plus longs et plus lisses. Et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup à beaucoup de reprises quand je touchais à mon apparence ou comment je revenais après les vacances.
Et je voudrais dire que la dernière chose qui m'a attiré l'attention en me préparant au panel aujourd'hui, c'est le pain que vous avez fait sur le mérite qui dit que c'est une précaution contre la diversité qui augmente. And as a person who spent a big J'ai observé des réactions négatives de la part du public lorsque des organisations, y compris de fonction publique, adaptent les processus de dotation pour cibler des candidats noirs ou d'autres groupes de membres en quête d'équité. Et cette réaction négative, presque tout le temps, inclut une préoccupation, un questionnement quant à la qualité du talent. Et cette crainte n'est pas fondée. Le bassin est plein de personnes noires qualifiées et talentueuses. Et je pense que c'est important pour nous tous en tant que leaders dans la fonction publique de ne pas laisser cette peur sans fondement nous empêche de mettre en place des bonnes mesures, des mesures positives pour uniformiser les règles de jeu pour les personnes noires. So I'll leave it at that and then follow a turn to sort of react to the lecture. Well, thank you very much, Rachel and Gavin. First, I'd like to acknowledge that I am honored to be located on the traditional territorial lands of the Powhatan Confederacy in Washington, D.C. Territorial des autochtones à Washington, D.C. Je pense. So first of all, I want to aborder le sujet de mérite en s'intéressant à la manière dont il est appliqué aux personnes noires au sein de la fonction publique fédérale du Canada. Ce portrait, basé sur des recherches approfondies et minutieusement documentées, retrace la façon dont le concept de mérite dans la fonction publique fédérale a été exploité pour en favoriser certains et exclure les Noirs. Ce qui m'a le plus marqué est de voir que le mérite a été utilisé comme une sorte d'échelle mobile tout au long de l'histoire, comme une barre de limbo que l'on abaisse pour rendre le passage plus difficile pour certains et qu'on relève pour rendre le passage plus facile pour d'autres. Jamais il n'a été employé comme un outil positif permettant de promouvoir l'équité pour les Canadiens noirs. Merit has been applied in the federal public service, not in a service canadien, dans le service public canadien, non pas comme quelque chose que l'on pouvait naviguer de manière sécuritaire, mais comme un concept qui pouvait être redéfini et utilisé non pour récompenser les capacités individuelles. Là où ça a été le plus utilisé dans les temps précoloniaux, c'était pour remplacer le népotisme et les systèmes de favoritisme. Ils voulaient s'assurer que ces groupes qui avaient déjà la puissance et le privilège les gardaient. Et ça a été réimaginé de manière à aider certains groupes comme les femmes, les vétérans, mais jamais les femmes noires ou les vétérans noirs. Et le mérite a été utilisé pour évincer les personnes noires du service public au moment où leur éducation, leur capacité était désespérément nécessaire. Nous sommes à un âge digital. Nous avons une économie très forte. Nous avons des niveaux d'éducation élevés à travers la population comme jamais auparavant. Le problème, la question du mérite ne devrait pas être bloquée ou utilisée comme un désavantage pour les groupes qui méritent l'équité. La performance devrait être la base d'attribution des récompenses comme les promotions. Donc, une personne qui vient d'un groupe marginalisé ou racialisé, doit performer malgré l'existence du racisme. Ça ne veut pas dire qu'elle a plus de mérite
D'autres critères sont insérés dans le concept, dans le processus de sélection à la place de la performance. Et cela détermine qui gagne ou qui perd dans ce système et met la haute performance de côté dans le système lorsqu'on voit à la place du mérite qui est vu comme plus sécuritaire. Peut-être que le meilleur exemple pour mon expérience est mon premier travail au sein du gouvernement quand j'étais recrutée en tant que catégorie ES qui est maintenant EC. Après une année, j'étais éligible pour une promotion suite à l'évaluation de mes compétences. Et vu que j'avais de très bonnes compétences, j'ai reçu des 7 sur 7, beaucoup de 7 sur 7. Et la personne qui était responsable du département a demandé à mon superviseur de diminuer les scores. Et mon superviseur n'a pas compris parce que ma performance était excellente. Et le directeur a dit « personne n'est aussi bien ». Et ce que ça voulait dire vraiment, c'était que personne de noir n'est aussi bon. Et mon superviseur, qui est une personne de haute éthique et valeur, a refusé de diminuer les scores, comme mon directeur l'a demandé. Et donc, le directeur l'a pris ça comme propre responsabilité de diminuer lui-même les scores sur ma dernière page de mon livret. Et mon manager a pris la responsabilité de mettre une remarque dessus. Et j'ai encore cette feuille quelque part dans un stockage à Ottawa. Et j'ai pris beaucoup de temps à garder cette feuille pour la... Pendant un temps, j'ai voulu garder cette feuille pour la regarder, pour dire, oh, voici jusqu'où je suis arrivée, mais je ne veux pas que mes enfants le voient et le prennent comme exemple. Je veux transformer le service public pour qu'il soit équitable pour tous les Canadiens et toutes les populations. Merci. Wow, merci Paula, merci Gavin, merci Dr. Zalas pour ces réflexions d'ouverture très puissantes qui vont déterminer notre conversation aujourd'hui. On va peut-être ouvrir notre discussion de panel avec une question qui nous garde dans ce que Dr. Zalas a partagé avec nous et que Gavin et Paula ont partagé dans leurs remarques d'ouverture également. Une des choses qui m'a vraiment frappée de la lecture d'aujourd'hui est comment est-ce que les concepts discriminatoires sont profondément enracinés dans l'histoire de nos institutions et dans nos documents. Et c'était fascinant de voir comment tous ces concepts ont évolué le long de notre histoire nationale. Donc, ma question à vous trois serait la suivante. Où voyez-vous la diversité en relation avec le mérite? Et quelle est la relation entre le mérite et la diversité? Qu'est-ce que ça révèle par rapport à l'application? Et Gavin, je vais te laisser avoir le premier mot dessus. Bien sûr, c'est une très bonne question. Je vois la diversité et le mérite comme inséparables. Maintenant, la loi sur l'emploi dans le service public a vraiment défini le mérite et comment ça s'applique. Le mérite est fait pour être inclusif. Et en 2005, quand la loi sur le service public a été amendée, devait inclure la diversité dans le service public. Et donc, maintenant, ça veut dire qu'une personne doit avoir un certain nombre de qualifications, comme les langues officielles, mais de manière plus importante, répondre aux besoins du service public. Et c'est un résultat désirable. Et nous le voyons comme un résultat d'être... Nous voyons qu'il y a un besoin de représentation de certains groupes. Donc, en tant qu'institution, le service public doit être représentatif du peuple canadien et il y a un engagement maintenant et des changements récents à la loi sur le service public qui montrent que le Canada est engagé à une représentation du Canada. Donc, comme Paula l'a mentionné et Dr. dans la recherche et Rachel dans sa recherche, maintenant, le Canada reconnaît que
on n'est pas seulement engagé pour le poste, mais également pour l'organisation qui va composer une bonne équipe. Et maintenant, on sait que la diversité donne des équipes plus productives. I would also avoir pleinement confiance au principe de mérite. Il faut que les règles de jeu soient égales pour les candidats noirs. And, you know, in your research, Rachel, it demonstrates that merit in the way que le mérite d'une façon qui a été définie originellement et appliquée était fait pour exclure les personnes noires pendant des dizaines d'années. Les personnes noires feraient partie d'un service public non partisan canadien. Et en tant que service public, nous devons reconnaître cette histoire non dite. Et l'appel à l'action lui-même reconnaît que le racisme fait partie de nos institutions. Même le principe du mérite de 1908 jusqu'à des cas plus tard a manqué à sa mission de créer un service public représentatif. Donc, le travail est en cours pour aider pour tout le monde dans la société de manière à ce que nous puissions impliquer plus de gens. Et en juillet dernier, la loi a été amendée et il y a cet engagement explicite. Donc, c'est le moment pour nous en tant que dirigeants de vraiment comprendre l'histoire derrière, comment est-ce que ça a été déterminé dans le système et ce que nous devons faire de manière à changer cela. Parfait. Merci, Gavin. Paula, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette question? Absolument, John. Donc, dans son intervention, Paula nous disait comment les personnes noires étaient accueillies au Canada pour être des travailleuses domestiques dans les années 1950. Et il y avait une pénurie de travailleuses au fur et à mesure que les femmes blanches travaillaient à l'extérieur de la maison. Et les femmes noires étaient payées moins que prévu, et alors même qu'elles avaient beaucoup plus d'heures de travail. Et le vrai potentiel de beaucoup de ces travailleurs n'était pas réalisé. Nous en avons reconnu une. La première ministre Jean-Augustine, qui est arrivée en 1960 après avoir commencé. After starting. Elle obtient un baccalauréat en art et une maîtrise en éducation avant de devenir directrice d'école et en 1993, elle devient la première femme noire canadienne élue à la Chambre des communes puis nommée au cabinet en 2002. Some women like Jean Augustine were able to overcome. Femmes comme Jean-Augustine étaient capables de vaincre cela, mais beaucoup d'autres femmes sont victimes de l'impact de ces systèmes. En 2021, les travailleuses noires étaient pour la plupart concentrées dans le domaine de la santé et du service à la personne. Les mêmes facteurs qui amènent à cet écart montre la sous-représentation des employés noirs dans le service public fédéral. Nous voyons que les employés noirs ont une représentation réduite à des niveaux de management et niveau exécutif. Les femmes qui devraient recevoir les récompenses qui méritent le pouvoir sont influencées à des dizaines d'années de discrimination. Nous devons nous demander qu'est-ce que ces éléments évaluent réellement. Qu'est-ce que ces éléments valorisent réellement lorsqu'on sélectionne qui va passer à nouveau? Et ça continue à perpétuer de la loi, des règles et des normes de où qui mérite le pouvoir. Tout ça, ce sont des positions nobles et qui sont portées à grande estime. Peu importe si le groupe
le pouvoir que tu maintiens, le fait que ça affecte beaucoup de milliers de la vie de milliers de personnes. C'est très, très, très important à ce point dans l'histoire. It is really important. On évite, as-tu pris que le mérite ne soit davantage instrumentalisé et utilisé contre les Noirs, les Autochtones en particulier, comme un outil de discrimination. Cela doit cesser. Nous ne pouvons plus ignorer le fait que la population noire est un groupe dans l'ensemble hautement qualifié qui est apte non seulement à faire partie de la fonction publique, mais aussi à diriger en son sein. Merci, Paula. Dr. Sellers, Gavin's given us some sort of a snapshot of what's going on in the Public Service Commission. Where de ce qui se passait dans la commission publique sur comment le pouvoir, les histoires qui se passaient, les détails, les données, les statistiques et des questions qui se posaient. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu voudrais ajouter à cette conversation? Ouais, peut-être que quelque chose que pourrait agir rapidement, en fait. Historiquement parlant, c'était quand même assez clair pour moi durant mes recherches en lisant que, en faisant différentes études et que j'ai mentionné quelques affaires qui sont ancrées dans ma recherche, c'est quand même assez clair pour moi que le service public, que ça ne voulait pas nécessairement dire excellent, une grande partie de mon histoire, ça voulait juste dire blanc, en fait. Et plus spécifiquement, de trouver comment inclure les vétérans blancs, les femmes blanches, les blancs québécois, francophones. Et en faisant ça, c'est quelque chose qui est Luc Julien et Rad Simpson ont mentionné dans leur livre. En le procès de faire ça, ils ont attaqué la conception au début des gens qui ne sont pas habiles. Le sexe et l'intégration des femmes dans le service public, encore une fois, c'était non seulement la complication avec la patriarche, c'était étudié, était toujours et aussi dans la sphère pour les Québécois, on attaquait l'aspect linguistique. Et dans l'histoire du Québec, en fait, et les relations qu'ils avaient avec l'empire britannique et cette culture de colonialisme, imaginez ces complications, ces difficultés et ces discriminations linguistiques que la révolution tranquille, que les Français québécois ont mis un focus dessus, concentrant le service public, voyait le fait qu'on soit blanc comme quelque chose de positif, c'était la norme. L'idéal. Et Paula l'a mentionné aussi un peu. Merci encore d'avoir mentionné cette histoire. Une chose qui s'est vraiment ancrée à ma tête, c'est qu'en 1970, le service public bougeait des montagnes pour mettre la place pour les femmes. Et ça, c'était pour des femmes qui n'avaient pas beaucoup de passé, d'expérience de travail dans le passé. Et c'est très important. C'est des gens qui sont devenus des dirigeants dans le service public, des députés, des ministres dans le service public. Et dans cette petite période de temps, les femmes sont devenues plus de 60% des services publics. Mais comme on l'a mentionné auparavant, ces femmes étaient toutes blanches. Ils n'étaient pas des dizaines de milliers de Noirs qui étaient là-dedans, qui étaient domestiques, qui étaient professionnels, qui faisaient notre éducation, qui nettoyaient la maison des Canadiens blancs. Mais en fait, les femmes noires n'étaient nulle part dans ces deux études majeures du service public pour avancer ce mouvement de l'avant en tant que loi pour la ou de police pour la femme noire. Donc, c'est très important d'étudier ça et voir à quel point c'était très volontaire l'exclusion de la communauté noire dans le service public. Mais encore une fois, merci pour cette intervention. Vous trois, vous avez quand même retourné sur ce qu'on a des sources précises du passé, que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu le temps, l'opportunité, que l'on n'aurait pas vraiment l'opportunité de retourner à ces documents précédents du passé. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est quelque chose qui change notre perspective. Et c'est quoi, ça veut dire exactement le mérite?
et comment l'histoire est très importante. So in the light of this, cela signifie pour le recrutement et la rétention des Canadiens noirs dans la fonction publique. Et Paula, je vais peut-être commencer avec toi. Merci, John. Je vais continuer avec mes statistiques parce que j'aime beaucoup les données et les faits. In 2021, 41.1% of Black Canadians... 21.1% des 4 Américains noirs de 21 et 24 ans avaient comparativement à 34.2% de le même groupe d'âge qui n'est pas racialisé. Donc, c'est une différence de 7% à peu près. Donc, si le mérite est un critère est vraiment à propos de qualification et d'éducation, de cette métrique-là, on devrait voir une représentation énorme de Canadiens noirs dans les services publics et non une représentation minime. Also, I have to say, le census de 2016 indique, le recensement de 2016 indique que les familles s'identifiant comme noires ont déclaré un taux 5% plus élevé que la population générale que le français est parlé dans la maison. Nous tentons de bâtir une fonction publique entièrement bilingue. Pourquoi est-ce que nous ne ciblons pas cette population avec les campagnes de recrutement adaptées? Pourquoi continuons-nous à créer des obstacles pour les Canadiens noirs francophones ou autres? Le recensement de 2016 relève également que les Noirs nés au Canada constituent le groupe le plus important de Canadiens noirs. That is to say, 4 out of 10 Black people in Canada were born in Canada. Canada is the most common birthplace for Black Canadians. This means as a graduate, you probably attended college in Canada or university in Canada. You graduated with a diploma or a degree or two or three and maybe even top of your class. Et un, deux, trois, en haut de ta classe, on a encore une difficulté de se familiariser avec ces produits et parce que comment le mérite est placé et classifié et défini. Donc, il y a des différentes stratégies qu'on peut faire pour justement pour inclure plus. Et la même chose peut être dit pour les femmes au cours des 17 dernières années. Encore une fois, il y a beaucoup de travail à faire, spécialement au niveau exécutif et dans les professions STEM. Rachel et Gary ont tous les deux parlé de l'expérience de volontaire quand le gouvernement voulait plus de femmes et dans le... et comment ils voulaient diviser les stratégies pour l'administration du gouvernement. Donc, je pense qu'on peut faire la même chose pour les Canadiens noirs. Mais nous courons le risque, justement, de répéter l'histoire aujourd'hui. Et je dis ça parce que, justement, as an example, les personnes qui ont des capacités différentes sont fortement sous-représentées au sein de la fonction publique. Des efforts seront déployés pour régler ce problème au fil du temps. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes handicapées noires à un groupe encore plus marginalisé qui mérite l'équité. So we have a real opportunity here, and that's why I think intersectionality... Opportunité justement, et c'est pour ça que l'intersectionnalité est encore un concept qu'on doit comprendre et embrasser. We need to understand it and apply it and use it to direct our team towards equity and inclusion and the fight against racism. I would love for all the great politiques, les programmes que nous créons et les services que nous offrons fassent l'objet d'un examen selon une optique d'analyse axée sur les Noirs. I would really like us to develop a Black-centric lens and apply that to all of our major policies. Tous nos polices et nos programmes et nos services et nos décisions. Donc, so we have to analyze répercussions potentielles de politiques et des tactiques gouvernementales sur les Canadiens noirs, tant au sein de la fonction publique qu'à l'extérieur.
Merci, Paula. The data says a lot, and your call for all of us. Et ton appel pour nous tous de juste faire mieux est très est nécessaire, en fait. Qu'est-ce que cela signifie pour le recrutement et la rétention de... Karen, pour toi, qu'est-ce que ça signifie pour toi dans la, pour les Noirs de la fonction publique? Et... So how do we move forward? Oui, dans le système de recrutement. Well, you know, first of all, I agree with. Je voudrais dire que je suis d'accord avec ce que Paula a dit en termes de, on a besoin de appliquer ça dans notre communauté noire et de la réalité comparative et de comprendre la réalité des candidats noirs et des procédures et des. Je l'ai dit plusieurs fois auparavant et je crois extrêmement que si on veut être en mesure de que le mérite soit plus significatif, nous devons être en mesure de reconnaître le niveau et nous devons changer le système qu'on soit plus égal. We cannot utiliser les mêmes approches de recrutement et espérer des résultats différents. Comme votre recherche, Rachel, a souligné dans son discours, lorsque le gouvernement a pris au sérieux l'augmentation de la représentation des femmes, la CFP a dû donner des instructions explicites, comme j'avais dit auparavant, aux gestionnaires d'embauche pour qu'ils valorise l'expérience de travail non rémunérée acquise par les femmes, comme celle d'expérience de travail rémunérée acquise par les hommes. En fin de compte, les qualifications mérites étaient les mêmes, mais la façon dont elles ont été obtenues, la façon dont elles ont été démontrées était différente. So, I think we need to apply this thinking to. On doit être en mesure d'appliquer ce style de recrutement pour la communauté noire. Et aussi les autres personnes racisées et parler avec les gestionnaires pour est-ce qu'on on sous-estime la est-ce que c'est une relation de communauté, est-ce que c'est une expérience hors du Canada, est-ce qu'on a une notion prédisposée et préconçue qui est déjà très raffinée, est-ce que c'est exclusive ou exclusive, est-ce qu'on espère de on essaie de agir différemment pour les gens qui expriment leurs idées différemment? Est-ce qu'on on comprend mal le concept de culturalisation? Est-ce que c'est un concept inclusif et pour les gens de l'équipe? Et aussi, je crois que tout ça, c'est des choses des réflexions qu'on doit avoir justement pour mettre de côté nos bias. And how the recruitment approach can be recrutement des grades pour les minorités visibles du ministère de la Défense nationale, la campagne maintenant de recrutement d'étudiants appartenant d'une minorité visible pour EDSC, conçue pour attirer et recruter des étudiants noirs, et le réseau des grades noirs qui a préparé des profils de leadership pour promouvoir les candidats noirs internes. De plus, le récent changement apporté à la loi sur l'emploi dans la fonction publique vise à assurer des règles de jeu équitables en exigeant une évaluation de méthodes d'évaluation pour déterminer si elles incluent ou créent des préjugés et des obstacles et élaborent des stratégies d'atténuation. En examinant tout ce que nous évaluons, des outils, de façon qu'on les applique, donc, la CFP vise à passer à la conception inclusive des processus de dotation dans le souci ultime d'éliminer les obstacles dès le départ. And lastly, I would say that, you know, having representation at the most senior level. Avoir la représentation au niveau la direction et des femmes dirigeantes et avoir une représentation qui est plus balancée. Donc, les gens qui font l'embauche et qu'est-ce qui évalue les candidats et comment on fait justement pour travailler dans cette direction pour améliorer ces conditions. Merci. C'est des questions pratiques et des réponses pratiques. Et Dr. Zeller, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter en connaissant le service public au cours des derniers mois, justement? Merci beaucoup. Je pense qu'on a besoin d'un plan d'action qui est bon. Je pense justement que, comme je le dis
j'aime prendre le recul et vraiment tout voir ce que j'ai appris. Je crois vraiment que nous sommes au problème d'identification, d'identifier les problèmes au niveau de l'identification du problème. Et je dirais même que we should start to make sure that the people problem, like we're really at that place of understanding what the problem is. So maybe for sake of time, I'll just mention one thing. On parle beaucoup de données en ce moment, de collecter, d'amasser ces données et de trouver qu'est-ce qu'il faut faire avec ça et comment les données, les données les plus surprenantes que le service public a vues. Et j'ai payé beaucoup attention au département qui reçoit ces données raffinées de catégories de démographie très... On peut compter ces positions, par exemple, sur une main et pas sur deux mains. Donc, une des choses qui est plus importante en conséquence avec les données, évaluer ces données-là et tout ça, se connaît sur la même longueur d'onde, c'est justement de... Le service public, justement, je dirais, doit faire un meilleur travail d'évaluer les paramètres de données pour vraiment évaluer le manque de représentation et l'état stagnant et de voir cet index de disproportion. Et brièvement, la raison pourquoi ce travail est important, c'est que cette disproportion, ça compare le pourcentage de représenté d'inéquité dans un travail, dans une communauté, Black en particulier, pour le salaire comparativement à la valeur dans le service public. Et ça, c'est le style de spécificité dont nous avons besoin en ce moment et que je crois que les dirigeants ne paient pas assez d'attention à ça. Et je pourrais dire un peu sur ça et je sais qu'on a juste une heure, donc je vais m'arrêter là. Merci et de nous apporter cette idée de on fait face à une difficulté. Et ça met en place vraiment très bien et ça bâtit sur ce que Pauline disait, de ce dont on a besoin de faire en continuant. Et peut-être que je vais donner une opportunité justement de faire un petit commentaire sur ça rapidement. C'est quoi exactement le futur? Comment on fait pour avancer? Comment on fait pour la progression le serviteur public noir et comment on fait pour les appeler à faire mieux, pour bien mieux évaluer ça? Donc, pour là, je vais commencer avec toi, Soulici. Merci, John. En termes de comment on peut faire pour supporter la progression de carrière des serviteurs publics, des discussions sur les mentorships et de s'assurer que les jeunes noirs talentueux aient des démographies mises de côté. En général, juste le mentorship est vraiment à propos de guider et de t'apporter à ta meilleure personne et des gens, des dirigeants qui parlent par rapport à toi et de t'offrir du travail et de te mettre sur le marché qui te donnera plus d'opportunités. Donc, on doit utiliser les services publics et les ressources qui existent déjà pour appointer les employés noirs et autochtones. Et c'est ce que j'encourage à faire. Et on a besoin de créer ces supports pour les employés divers pour expérimenter l'inclusion dans le gouvernement. Et ça amène des meilleures données sur l'inclusion. Des nouvelles questions sur l'inclusion doivent être demandées dans le service public et leurs sondages et leurs questionnaires et qu'ils doivent comprendre l'expérience des Noirs. Et ça doit être représenté dans les différents formats pour qu'ils puissent faire des décisions plus informées. Et la diversité doit être plus équipée avec des ressources et pas juste des volontaires qui font le travail à côté de leur bureau. La majorité du progrès a été fait par des départements à propos de l'inclusion et du combat contre le racisme. À partir d'un petit groupe, la majorité de ces groupes que nous avons un appel d'action et que c'est
finance ce mouvement. Et je serais ravi de ces questions. I'm really pleased. Grand courage ce jour-là. L'appel à l'action a ouvert la porte à des conversations plus que nécessaires entre le greffier et les sous-ministres sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Il a permis de mettre en lumière ce que devait être fait du point de vue des politiques. Cela dit, l'appel à l'action a beau être prescriptif, il laisse une grande marge de manœuvre aux administrateurs généraux quant à la manière dont il est mis en œuvre au sein de leur organisation respective. Je crois qu'il est maintenant temps d'évaluer la façon dont il a été interprété par les ministères et d'examiner le progrès réalisé à ce jour. Nous devons nous assurer d'être transparents dans notre façon de rendre des comptes sur ce qui a été fait et sur ce qui n'a pas été fait au sein des différents ministères. Une normalisation accrue des approches ministérielles pourrait être nécessaire pour veiller à la mise en place d'indicateurs de rendement et des rapports à l'échelle de la fonction publique. L'établissement d'indicateurs serait en effet grandement utile pour obtenir une image cohérente de progrès ou des retards dans la mise en œuvre de l'appel. Nous avons besoin de mesures de rendement et de rapports au Parlement sur l'appel de l'action pour faire le bilan de la situation. Nous devons être tenus responsables, effectivement. Sinon, la fonction publique risque d'avoir un visage radicalement différent de celui de la population canadienne qu'elle sert et qu'elle continuera de servir, ce qui se traduira éventuellement par une perte de confiance envers le gouvernement. And so with that, you know, I'd also like to just quickly say that... Ajouter que on a besoin plus de données pour supporter ces mesures et les stratégies et pour s'assurer que l'histoire des Noirs et des Autochtones et des autres Canadiens racisés et maintenant que la xénophobie et le racisme existent, on doit avoir un rapport, un commun accord dans la direction de la communauté autochtone. On a besoin de commissions au Canada. Et aussi, John, ça c'est pour toi, on doit chercher à regarder, voir plus les atouts qui se transfèrent. Ma théorie, en fait, c'est que si on a fait face au racisme toute ta vie, de tes profs, de tes pères, de tes collègues de travail, comment on va faire pour faire face à des clients difficiles? Si on a travaillé comme dans... Et si vous lisez les... Je ne vois aucune raison pourquoi on ne serait pas en mesure de faire ça dans le respect public qu'on l'a fait dans le privé. Donc, on doit être en mesure de voir qui mérite d'avoir ces mérites et qui devrait avoir ces travaux publics, des services publics. Et je voudrais aussi même qu'on devrait repenser notre position de recrutement et de parler de nos services publics. Je pense que c'est quelque chose qui a rapport avec ce qui est récent, ce qui est significatif. Gestion senior et de les niveaux de directeurs sont et les directeurs généraux et plus haut. Mais si vous voyez qu'un membre de gestion qui a accès à votre directeur ou des gens qui sont dans une coopérative ou ne seront jamais en mesure d'atteindre ce niveau de critères, et pourquoi? C'est même pas parce que c'est même pas en rapport à leur habilité la majorité du temps. Wow, merci Paula. Je vais mettre de la même question à toi aussi. Je ne sais pas ce que je peux justement ajouter, justement. C'était une liste vraiment super, en fait. Donc, je ne veux pas juste dupliquer ça, mais Paula a fini avec ce point de... Parce que je serais content d'entendre ça, en fait, parce que c'est quelque chose qui est... Quand on parle de
des changements qui se passent dans la législation et quand ça vient en force, justement, comment nous devons évaluer les outils qu'on utilise et ou donner des, offrir des barrières. Et ce qu'on essaie vraiment de dire, c'est que oui, c'est incroyable, mais on doit, de manière plus importante, c'est bâtir une équipe qui se soit plus inclusive dès le début. Qui, à l'extérieur, peut faire partie du service public? Comment on définit ces critères-là? C'est une clé majeure de ça. Donc, merci de mettre de souligner ça, en fait. De donner des agrégés et comment on peut regarder de l'avant et être soutenir responsable de marquer ce processus, ces avancements. Donc, peut-être que je vais prendre, pour ne pas répéter, je vais prendre mon commentaire un peu plus pour mon expérience vécue. You mentioned par et pour les gens qui ont traditionnellement occupé des postes de pouvoir, de leadership dans la fonction publique, et c'est une action importante qui doit être partagée avec tous. C'est quelque chose qui a été fait par et pour les gens qui ont traditionnellement eu des postes de pouvoir, comme je dis. Et, you know, I would say that, you know, for me, I had the good fortune of working. J'ai eu la chance de travailler pour et avec des gens qui étaient mes parrains. Et je ne savais pas que mes collègues avaient fait ça. Et quand je parlais du ADM ou les gens qui parlaient de nouveaux projets ou des projets spéciaux, et d'avoir un père actif et les excusaient de. Je vais sortir de la salle où les étudiants allaient être faits. Donc, je devais, même sans, des fois sans ma connaissance, je devais apprendre par la suite que mes superviseurs me parlaient pour moi et pour des opportunités de développement et des projets spéciaux, d'exposer à des gens du réseau et mon potentiel. Et de manière continue, ils me parrainaient. And at that point in my même pour le nombre des employés racisés et pour les employés autochtones aussi. En tant que leader, les personnes que vous parrainez devraient être des groupes diversifiés. So if you look around and seeing who are you mentoring, who are you sponsoring, who are you giving an opportunity to? Que tu parraines et les gens autour de nous, est-ce que ce sont des gens qui sont diversifiés? Et ça devrait. Et je pense que c'est ça l'appel d'action, en fait. Merci, Garin. Merci de partager ton expérience personnelle et d'utiliser le mot de soutenir. Après seulement quelques minutes, mais tout d'abord, j'aimerais prendre un moment, Dr. Zellers, pour vous remercier de tout ce que vous avez apporté à la fonction publique fédérale en tant que la première chercheuse invitée à l'école. You know, in your time in this role, you have asked us important questions, you have challenged us. Poser des questions, tu nous as mis au défi, tu nous as inspiré, tu nous as convaincu de prendre action. Et mais si peut-être que je pourrais demander une dernière question en tant que peut-être deux questions sur le sujet. Quel est ton message pour tous les gens du service public? Et quel est ton message pour les gens du service public noirs? Merci beaucoup. Je vais commencer avec les gens du service public noirs. Merci beaucoup. Thank you for. Merci pour votre temps après les longues journées de travail. Sometimes while balancing toddlers on your knees. Les enfants, en balançant les enfants. Un heure du matin, c'était difficile un dimanche. Merci pour votre expérience et de me faire confiance de ce que je peux faire avec ça. Et merci pour Gabi et Paula qui sont toujours là et de toujours être là pour moi et de gentils avec moi et de m'apprendre et de me représenter et un modèle très brillant, compassionné. Et les gens du service public ne peuvent plus vraiment survivre sans cette branche-là. Donc, merci pour les gens, les dirigeants. Il y a quelques ministères. Je manquerais justement si je ne mentionnais pas l'école du service public. J'ai eu une opportunité de travailler avec ce groupe au cours de la dernière année.
et qui, comment mon équipe de cette école s'accapare ce service de ces dirigeants qui sont prêts à se donner. Et je merci beaucoup, Dr. Sellers. This concludes our... Merci beaucoup, Gavin. Merci beaucoup, Paula. Merci beaucoup, Dr. Sellers. Une discussion importante, émouvante. Appreciate you all taking the time to come in here today. Vous de prendre le temps de venir parler avec nous. For those... J'espère que vous l'avez apprécié aujourd'hui et je vous dirais que votre rétroaction est très importante pour nous. Alors, je vous encourage à compléter l'évaluation électronique que vous recevrez dans les prochains jours. Encore une fois, merci beaucoup et bonne journée à tous.